Tu vois mieux comme ça peut-être. Du coup, je joue tout seul, c'est ça? Il va râler si je fais ça. Il va tout casser. Je me suis dit que la dernière fois que je t'avais laissé tout seul. Avec un truc qui filmait, la caméra elle était tombée. Oh, mais t'as tourné le volant. Ah, ça y est, tu t'en rends compte. Et bien, salut à toutes et à tous, la même compagnie et les 16h. J'espère que vous allez tous très bien. Pour ma part, ça va nickel. Comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur Euro Truck Simulator 2. Santé Arthur. Il pleut de moins en moins, je suis désolé. À force d'attendre, bah, il fait beau maintenant. Il fait beau. Il voulait rouler sous la pluie, bah voilà. On va pas pouvoir drifter. Ah, quel dommage. Et bien, les amis, pourquoi pas de drift? Parce que je me suis dit, bah, je l'avais dit dans une des dernières vidéos, qu'on allait faire conduire Arthur avec cette BMW. Voilà, cette petite voiture bien sympathique. On va rentrer à l'intérieur. Tu vas voir du coup s'il y a un porte-gobelet ou pas. Et eh ben, il n'y a pas de porte gobelet. Par contre, il y a toutes les affaires qu'il faut pour assurer. Par contre, t'as pas de place pour t'asseoir. J'ai. Ah oui, merde, bah moi je suis derrière. Bah, je suis derrière. J'étais entre mes jambes. Wait, what? Notre camion il est là-bas. Et on va aller faire une livraison pour arriver ici à Winefield. Donc, MyGotopia, la donne de Grand Utopia qui est juste ici. Ça y va, hein? Hop là, j'ai le trottoir! J'ai l'impression de rouler dans avec le camion alors que je suis pas en camion. C'est vrai, mais en tout cas, t'as bien roulé dans l'herbe. Y a pas de retour de force sur ton volant ou quoi? Elles reviennent pas les roues. C'est vrai qu'on a tout le dit. Bah oui, mais comme en voiture, c'est différent, c'est sûr, ouais. Ok. Ouais, y a vraiment aucun retour de force. Et par contre, le volant il part en couille. Non, mais là, t'exagères là. Non, vraiment, il part en couille. Ah, arrête-toi. Comment ça, il part en couille? Bah, regarde. Ah bah voilà, il y a un retour de force, mais qu'est-ce que tu fais? Non, mais là, regarde, je lâche... Mais t'es à 100 km/h. Bah regarde, je lâche le volant. Bah oui, il partait à gauche tout seul. Mais parce qu'il y a de la vitesse. Ça n'a rien à voir. Mais si. Quand je roule vite avec ma voiture, ça part pas à gauche ou à droite. Ouais, mais tu te rends pas compte de la vitesse. C'est pour ça. Je sais pas combien je suis. Là t'es à 80, là, 90, t'es bien, tu vois, là, tout de suite ça va mieux. Mais par contre ce qui est bizarre c'est que moi quand je roule la voiture, je me crois même dans ma voiture à moi. Alors pas à niveau puissance, hein, mais niveau roulage, je roule pareil moi. Ah non, c'est différent. C'est fou ça quand même. Elle est trop moderne ta voiture. Elle roule toute seule aussi. C'est vrai. Voilà. Regarde comme c'est beau là, allez, à droite, l'arrière, hop. Ah c'est chouette. Hein. Bah super. Ça t'avait manqué ça, hein. Bah, tu me dirais, on a une glacière à droite, on peut prendre un pique-nique. Vas-y, tu veux quoi? Attends, tu veux que je te serve quoi? T'as un sandwich? Attends, bouge pas. C'est le mec trop... Oh merde! Ah oh! Donc tu vas aller au magasin, à l'entrepôt de Nord Food, là, à droite, ouais. Parfait. Et... Oups, non, c'est l'autre clignotant, voilà. Et là, tu vas taper à droite si tu regardes pas. Il regarde pas. Et voilà, tu vas te mettre sur une place de parking. Là à droite? Ouais, ouais, tu vas te mettre sur une place de parking et notre camion il nous attend derrière. Oh là 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 là, la voiture. J'ai eu peur pour ma voiture. Mais on a même pas pu s'amuser. Hein? On a même pas pu s'amuser. Tu voudras rouler après avec la voiture? Ah bah oui. Ok, ça marche. Sur une route quoi. Okay. En ville. Ça marche. Et bah, ce sera pour un autre épisode. Ok, d'accord. Très bien, très bon réflexe, bravo. Tu valides là ou pas? Normalement, là on est pas mal. Ok. Ah, un petit peu trop à gauche. Ok, du coup les amis, on a récupéré le camion. Ouais. On s'est un petit peu mieux garé avec la voiture sur le parking parce que là c'était pas terrible. Comment ça c'était pas terrible? On peut pas rester toute la journée comme ça, c'est un peu la honte quoi, donc... Moi je suis dans les lignes, hein, je m'en fous. Super, vas-y, vas-y. Putain, c'est une blague. C'est pas grave. Voilà, et là t'attends que ça passe. Et comme on est en train de bloquer la circulation, bah... Oh mais c'est une catastrophe les États-Unis en fait. On va faire donc voilà, on va transporter des bocaux et on va aller à Winefield. T'aimes bien les bocaux? Bah des bocaux de quoi? Tu poses trop de questions. Oh vas-y, tu peux taper dans le fond tout droit et t'es pas mal. T'es vraiment bien. Oh. Voilà. Oh. T'as fait une aussi belle manœuvre que moi dans la dernière vidéo, que du coup qui est pas encore sortie, mais j'ai fait pareil. Ah ouais? La remorque elle s'est presque pas téléportée. Elle s'est quand même téléportée parce que t'es pas allé assez en arrière. Oui, parce que de toute façon, mais oui, mais parce c'est que compliqué d'être pile en face dans le jeu. Non, mais justement, t'étais pile en face. T'étais juste pas assez au fond, donc ça c'est rien de... C'est fou, t'étais dans l'axe, mec. T'es trop fort. T'as mis un torticolis.
Tu regardes à gauche. Ah bah merci, c'est sympa ça. Bah, j'avais pas l'impression qu'il te laissait passer. Il était arrêté hein. On est d'accord, il était arrêté. Bah j'ai pas fait attention. Donc moi je suis pressé là, j'ai des bocaux à emmener. C'est vrai, on sait pas c'est quoi les bocaux mais c'est des. Il y a des organes dedans. Non sinon ça aurait été écrit Mais non mais ça peut pas être des organes. Bah si. Bah non. Je suis con. Ça peut que être les services habilités pour. C'est que j'ai failli travailler là-dedans. Ah ouais. Ouais. Il y avait... Je suis passé à côté comme un gros connard. Il y a un porte-conteneur là à gauche. Ça non. Ah c'est pas un porte-conteneur, c'est autre chose. On aurait dit un porte-conteneur. C'est un porte-manteau. Ah non c'est un porte-gru. Ah, mais tu vois mieux comme ça peut-être. Oh, pété ton camion. J'ai embarqué une voiture avec. Oh non. Bah voilà, quand on veut regarder les bateaux. Bon courage à nous, on est à 58%, ça va en vrai. Par contre, les bocaux, on les a un peu cassés du coup. Bah là, je pense que. Il y a à peu près 10% des bocaux qui sont pétés dedans. Et heureusement, on n'a pas les organes vitaux. Hein. Finalement. Et... Ah, il y en a un autre. C'est le porte-manteau. Non. Rebelote. Sauf si tu veux que le camion soit. Oh. Non, ah, mais il a calé. Garde droit. Il a calé. T'as vu ce que t'as fait à mon camion? Et tu veux encore que je te fasse confiance avec la voiture? Ma super BMW. Déjà, c'est pas de ma faute. C'est qui m'a fait un torticolis pendant que je conduisais? Dans la vraie vie. Regarde. Tiens, regarde là-bas. Mais non, mais. De toute façon, je sais pas si t'as remarqué, j'ai le doigt au-dessus du bouton pour recentrer depuis tout à l'heure. C'est ça, et c'est ça. Hein? Oula, c'était quoi ce bruit? T'as entendu? Ouais, on dirait une vitesse qui veut pas rentrer. Ça fait le même bruit que sur ma C3 quand je voulais mettre la marche arrière et qu'elle rentrait pas. Alors moi, quand j'essayais de la mettre et qu'elle rentrait pas, elle faisait aussi un bruit marrant. Ça faisait un crrrr. Ah non, toi ça faisait pas ça? Ah, d'accord, oui, je viens de comprendre. Merci. Bon, on applaudit, mais tolérable. Ça passe, hein. On a fait du dégât, hein. Et ça, les pénalités, c'est les dégâts pour la remorque, bien sûr. Parce que oui, on là il faut pas... aller réparer le camion, quoi. Là, je peux te dire que tout ce qu'on a gagné, ça représente le quart, même pas, de ce que, tout ce que je vais payer pour la réparation. Mais c'est pas grave, Arthur. Tu dis c'est pas grave, Arthur, mais c'est toi qui as tout cassé. Hein. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et dans le prochain épisode, vous verrez Arthur en train de faire du drift avec une BMW qui va peut-être me casser. C'est quoi cette expression? Voilà, je vais mourir, ça y est. Et attends, j'ai pas encore fait mon test des premiers secours. Hein. Ah bon? Tu penses que tu fais un test des premiers secours? Non, mais je veux dire la formation, voilà. Formation de premiers secours, tu fais ça toi? Oui. Ah bon? Je vais faire ça en avril. Ah d'accord. Voilà. C'est quand en avril? C'est pour 2 mois? C'est dans 2 mois. Donc meurs pas avant. Ok, bah j'attends encore avril avant de m'étouffer. C'est sympa. Allez, plein de bisous. Salut. Le volant est très dur. C'est vrai, le volant. Et il vibre dans tous les sens. Bah, c'est réaliste ou pas? Ah non. Ça fait tout trembler. Merde.